Alors bonjour tout le monde, on va commencer avec la centaine. On enfonce le bas du dos dans le tapis, on rentre le ventre rétroversion, on vient bien isoler les abdominaux. Tu peux garder la tête au sol ou lever la tête, plier, développer. Si tu veux rotation externe, on descend un peu les jambes pour aller chercher le bas des abdominaux. Les bras sont bien tendus et là c'est comme si on tapait sur de l'eau. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Alors, on prend des grandes respirations. On se remplit d'énergie positive. En pilates, on respire pas par le ventre parce que nos abdominaux sont bien contractés. Ce serait difficile. Donc, on respire en ouvrant et en fermant la cage thoracique. Et c'est important de respirer. Alors, on respire en continu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 6, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Et on relâche. On vient tirer le corps, ça fait du bien. Donc, j'imagine que quelqu'un tire sur mes jambes, mes bras, ma tête, mon ventre aussi, tout mon corps bien allongé, bien étiré. On se prépare pour faire l'enroulement. Alors, on inspire, on lève seulement les omoplates, entre le ventre rétroversé. On descend bien les épaules, on monte dos droit et là, on vient pousser vers le plafond pour venir bien allonger, tirer devant. On veut tirer le derrière des jambes. Descend bien les épaules, lève les coudes, tire les bras derrière, on va aller chercher les triceps. On tire les bras en longueur, en hauteur pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Descend bien les épaules, bras devant, entre le ventre rétroversé. On commence par le coccyx, les jambes toujours bien allongées. On vient dérouler vertèbre par vertèbre tout en étirant bien la colonne. C'est comme un massage pour la colonne vertébrale. On inspire, on lève seulement les omoplates. Descend bien les épaules, on monte dos droit. On vient bien allonger, étirer devant, tire, tire, tire devant. Lève les coudes, tire les bras en longueur, en hauteur pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Tu sais, quand tu disais que tu avais eu mal ici, là, en faisant cet exercice-là, en descendant comme ça ici, là, tu vas le sentir si ça fait encore mal. Mais en fait, c'était vraiment mes airs. Tantôt, je le sentais. Ah oui? Là, je le sens pas. Parfait. On vient dérouler, on allonge, on étire le corps. Corps bien allongé, bien étiré. On inspire, on lève seulement les omoplates, on monte. Dos droit, on vient bien allonger, tire, tire, tire devant, lève les coudes, tire les bras en longueur en hauteur pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, descend bien les épaules, bras devant, entre le ventre rétroversé, hop, et on vient dérouler vertèbre par vertèbre. Donc, c'est dans la phase d'étirement que tu as mal. On inspire, on lève seulement les omoplates, rentre bien le ventre. On remonte, dos droit, on vient bien allonger, tire, tire, tire devant, lève les coudes, tire les bras en longueur, en hauteur pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, attention, descend bien les épaules, on vient plier les jambes, dos bien droit, on descend jusqu'à temps qu'on soit en contraction, bras devant pour 5, 4, 3, 2, 1, en haut et 1, 2, 3, 4, 5 côtés et 1, 2, 3, 4, bras devant, torsion du tronc vers moi, torsion plus loin et 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, torsion de l'autre côté, encore plus loin, va chercher ta taille ici pour 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. On revient et on vient dérouler vertèbre par vertèbre. Ouvre les jambes, rotation externe pour avoir l'intérieur des cuisses vers le plafond. Toujours jambes bien tendues. On inspire, on lève seulement les omoplates. On monte, dos droit, torsion du tronc. Penche petit doigt, petit orteil. Tire le bras derrière pour aller chercher ton triceps, tes triceps. Tire le bras pour 5, 4, 3, 2. Encore plus loin pour 5. 4, 3, 2, 1. Remonte dos droit, descend bien les épaules, torsion du tronc de l'autre côté. Petit doigt, petit orteil, tire triceps derrière pour 5, 4, 3, 2, 1. Plus loin, 5, 4, 3, 2, 1. On revient, on vient dérouler juste un petit peu jusqu'à temps qu'on est en contraction et on va garder la position, bras devant pour 5, 4, rotation externe des jambes pour avoir l'intérieur des cuisses vers le plafond, 3, 2,
Un en haut et un, deux, trois, quatre, cinq côtés et un, deux, trois, quatre. Ramène les bras devant, torsion du tronc pour cinq, quatre, trois, deux, un plus loin pour cinq, quatre, trois, deux, un. Torsion de l'autre côté et cinq, quatre, trois, deux, un plus loin pour cinq, quatre, trois, deux. Un, on revient et tranquillement, on va venir dérouler vertèbre par vertèbre. On va rester sur le dos. On se prépare pour faire la fesse lente. Alors, le trois quarts de mon dos va rester au sol. Je vais juste pousser mon bassin. Mes pieds sont à la largeur de mes hanches. Et là, je vais venir travailler mes fesses, bien évidemment, mais je vais aller chercher aussi au niveau des cuisses. Donc, rentre le ventre rétroversé. On pousse seulement le bassin. Hop, oui, parfait. Éloigne un petit peu tes pieds pour aller chercher davantage le derrière de tes cuisses, donc tes ischios. Et là, on va venir pousser au maximum le bassin vers le plafond. Et là, je vais garder la contraction de mes fesses et le derrière de mes cuisses, mais je vais venir descendre tranquillement en gardant la contraction. Et je remonte, on pousse, 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 pousse. Pousse encore un petit peu plus pour être au maximum. Et je descends tranquillement. On remonte et 1, 2, pousse encore un peu plus, descend, 1, 2, on monte et 1. 2, pousse encore un peu plus, descend et 1. 2, on monte et 1. 2, pousse plus, descend et 1. 2, on monte et 1. 2, pousse plus, et on descend 1. 2, 1. 2, plus, descend 1. 2, on monte et 1. 2, plus, descend 1. 2, on monte et 1. 2, plus, descend 1. 2, on monte et 1. 2, plus, descend 1. 2, on monte et 1. 2, plus, descend 1, 2, on monte et 1, 2, plus, descend 1, 2, on monte et 1, 2, plus, descend 1, 2, on monte et 1, 2, plus, descend 1, 2, on monte et 1, 2, plus, descend 1, 2, on monte et 1, 2, plus, descend 1, 2, on monte et 1, 2, plus, descend 1, 2, on monte et 1, 2, plus, descend 1, deux dernières fois, 1, reste en haut, et 10, 10, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, et on descend tranquillement. On ramène les genoux à la poitrine, on étire les fesses d'un côté et de l'autre. J'ai encore fait le principe de, on va vraiment travailler les muscles au maximum. Puis quand on est au maximum, puis on n'est plus vraiment capable de continuer, mais quand même, là, on vient comme pomper. Sauf que ça peut avoir un effet, des fois, si tu dis, on dirait que le derrière de mes cuisses a peut-être gonflé un peu. Bien, fais moins ça, fais plutôt des répétitions, plus de répétitions, au lieu d'être toujours comme en capacité maximale. Parce qu'on était en capacité maximale, en force maximale, puis d'être là, on pompait. Mais ça vient des fois, mais ça développe beaucoup les muscles. Hein, mais en tout cas, jauger ça. OK. Redressement pour la taille. Donc, de cette position-ci, je vais venir déposer mes jambes d'un côté. Donc là, je fais un redressement assez régulier, sauf que là, ma taille va être dirigée vers le plafond. Alors, quand je vais faire mon redressement, je vais me diriger alignée avec ma taille. Donc, je vais venir pousser là, dans cette position-ci alignée avec ma taille. Comme quand je fais un redressement régulier, rentre le ventre, rétroversion. Donc, normalement, je voudrais enfoncer le bas du dos dans le tapis pour venir vraiment bien concentrer la contraction avec mes abdominaux, mes droits. Et là, je vais faire la même chose pour mes droits, mais je vais aller aussi chercher la taille. Redressement assis, on pousse, on tire, on pousse vers le plafond. On lève un petit peu plus. Et là, on va faire quelques pulsations pour 10, 9, 8, 7, 6. Le ventre est bien rentré. 3, 2, on garde la contraction et on va venir descendre en quart vers la contraction pour aller chercher les petits muscles qui sont autour. Donc, le ventre rétroversion, redressement assis, on pousse, on tire, on a une belle contraction et là, on pousse davantage pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on garde la contraction et on descend en gardant la contraction. Donc, le ventre rétroversion, je me replace à chaque fois pour être vraiment certaine d'être au maximum, d'avoir la bonne position, mais je pourrais tout simplement garder la position. Redressement, si on pousse, on tient. On pousse encore un peu plus pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On garde la contraction et on descend en gardant la contraction. Donc, le ventre rétroversion, redressement, si on pousse, on tient, on pousse, pousse, pousse. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On garde la contraction et tranquillement, on descend en gardant la contraction. On va le faire une dernière fois.
On se repositionne. Mes abdominaux sont bien soutenus devant. Je vais ajouter la taille. Redressement si on peut sentir. Plus haut. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On garde la contraction et tranquillement, on descend. On va aller tout ça de l'autre côté. Puis là, vous allez voir, parce que si je travaille ma taille du côté droit, bien, en même temps, je vais venir étirer ma taille du côté gauche. Donc, la partie qu'on vient de travailler, vous allez sentir que ça va venir étirer. Donc, je vais basculer mes jambes de l'autre côté. Rentre le ventre, rétroversion. Donc, je me positionne. Je vais isoler mes abdominaux devant, donc mes droits. Et là, je suis alignée avec ma taille sur le côté. Donc, je pousse vers le plafond pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Je pense que c'est pas le bon bras. 2, 1, mais peu importe, moi. C'est le bras du haut? Ben, tu vois, moi, ben oui, moi, je me tiens la tête parce que je suis en redressement. En fait, moi, je me levais comme ça, puis j'essayais de lever dans ce sens-là, comme ça. Ben là, en ce moment, tu es aligné pour aller chercher plutôt tes obliques, mais c'est sûr que tu vas chercher ta taille aussi en même temps. Okay. Puis là, tu vois, moi, je suis vraiment sur le côté, mais tu aurais pu même être sur le dos, mais là, il aurait fallu que tu glisses sur le côté pour aller chercher ta taille. Puis là, si tu mets mi-chemin, comme ça, ben, il faudrait que tu ailles là-bas. OK. Pour t'aligner avec ta taille. Donc, en position, on continue. Redressement, si on pousse, mais ton bras, un ou l'autre, c'est juste que moi, je pointe où est-ce que je me dirige. Pour c'est parce que j'ai de la misère à me guider moi-même. Je me guide, mais c'est là que tu vas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On garde la contraction et on descend en gardant la contraction. Donc, le ventre rétroversion, isole bien les abdominaux. Redressement, si on pousse, on tient, pousse, pousse, pousse. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend, garde dans la contraction. Redressement, si on pousse, on tient, le ventre est bien soutenu. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on descend encore deux fois. Entre le ventre rétroversion, redressement, si on pousse, on tient. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend, on va le faire une dernière fois. Entre le ventre rétroversion, redressement, si on pousse, on tient, pousse, pousse, pousse. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, on relâche. On va se mettre sur le côté. Donc, moi, je vais me mettre sur le côté, pas du côté que je viens de faire. Je vais changer de bord. Donc, on va commencer une série d'exercices sur le côté. On va commencer avec la maximale. Donc, juste pour me donner une chance, je vais venir étirer ma jambe, pointe flex, informer ma jambe ce qui s'en vient. Et là, je vais pouvoir mettre mes jambes légèrement en V pour m'aider au niveau d'équilibre. Toujours mes abdominaux bien soutenus. Donc, et là, ce que je vais faire 1, 2, plier, développe, jambes bien tendues. Et on descend. Donc, je vais lever la jambe à la hauteur que ma jambe peut rester tendue. Plier, développer et on descend. Alors, en position, on peut rester couché sur le bras ou levé. Main devant ou pas de main. Et 1, 2, plier. Développe, grandis les deux jambes et on descend. Et 1, 2, plier, développe, descend. Et 1, 2, plier, développe, descend. Et 1, 2, plier, tire, tire, descend. Et 1, 2, plier, développe, 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 deux fois. Et 1, 2, plier, développe, descend, dernière fois. 2, plier, développe, et on descend. On relaxe un peu les pieds. Point de flex, ça fait du bien. On va se préparer pour faire la bicyclette. Donc, la jambe va toujours être à la hauteur de la hanche. Le côté de la cuisse vers le plafond. Les abdominaux sont bien soutenus. Descends les épaules. On n'oublie pas de respirer. Donc, on va lever la jambe à la hauteur de la hanche. Mes jambes sont légèrement en vue. C'est correct. On amène la jambe devant. Excusez-moi, on fait la bicyclette. On vient plier pieds genoux à la hauteur de la hanche. On amène le plié loin derrière jusqu'à temps que la fesse se contracte par elle-même. Ma jambe est toujours à la hauteur de ma hanche. Et là, je vais un petit peu plus loin. Pousse le derrière de la cuisse et développer. On tire, tire, tire. Mais garde ta jambe à la hauteur de la hanche. Tu vas le sentir vraiment plus au niveau des fesses. On amène la jambe devant. Plié. On amène le plié loin derrière. Regarde là ta jambe. Tu vas voir le plus loin. Et là, développer. On tire, 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 tire. Les hanches sont une sur l'autre. On amène la jambe devant. Plié,
On amène le pli loin derrière jusqu'à temps que la fesse se contracte par elle-même. Pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, tire. On essaie d'avoir la plus grande amplitude possible. On amène la jambe devant. Pli, on garde la jambe à la hauteur de la hanche. On va aller porter le pli loin derrière. Ensuite, tire, 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 tire le plus loin possible. Fesse bien contractée. On amène la jambe devant. Plié. On amène le pli loin derrière. Pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, tire. On amène la jambe devant. Plié. On amène le pli loin derrière. Pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire. Tu pourrais faire des redressements assis en attendant ou d'autres exercices. Ben, ou de la relaxation, c'est comme tu veux. Loin derrière, pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, tire. On amène la jambe devant. Plié. On amène le plié loin derrière, pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, tire. On amène la jambe devant. Plié. On amène le plié loin derrière, pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, tire. Dernière fois, on amène la jambe devant. Plié. On amène le plié loin derrière et on tire, tire, on reste derrière. Deux jambes bien tendues, corps bien allongé, bien étiré. On vient plier derrière, on va aller pousser encore plus derrière pour s'assurer de vraiment aller chercher les fesses, mais aussi les ischios. On amène le plié devant, toujours la jambe à la hauteur de la hanche. Et développé, on tire, tire, deux jambes bien tendues. On amène la jambe loin derrière, va chercher le derrière de ta cuisse. Plié, pousse, pousse derrière pour aller au maximum. On amène le plié devant et on tire, 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 deux jambes bien tendues. On amène la jambe loin derrière. Plié, pousse, pousse. On amène le plié devant. Et on tire, 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 tire. On amène la jambe loin derrière. Plié, pousse, pousse. On amène le plié devant. Et on tire, tire, tire. On amène la jambe loin derrière. Plié, pousse, pousse. On amène le plié devant. Et on tire, tire, tire. On amène la jambe loin derrière. Plié, pousse, on tient. On amène le plié devant et on tire, 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 tire. Loin derrière. Plié, pousse, pousse. Plié devant et on tire, 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 tire. Encore deux fois. Loin derrière. Plié, pousse, on tient. On amène le plié devant et on tire, 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 tire. Dernière fois, on amène la jambe loin derrière. Plié, pousse, pousse. On amène le plié devant et on tire, 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 tire et on relâche. De cette position-ci, on va faire la taille. On va rester droit, droit, droit. Corps bien allongé, bien étiré. Et là, je vais venir lever mes jambes et le haut de mon corps. Donc, je pourrais simplement lever mes deux jambes. Puis là, quand je fais cet exercice-là, j'ai le côté de la cuisse vers le plafond. Mais en même temps aussi, je travaille mes abducteurs et mes adducteurs. Donc, l'intérieur et l'extérieur des cuisses. Donc, je vais venir vraiment grandir mes deux jambes. Puis aussi, je vais faire des extensions de mes deux jambes là, vers le plafond. Je vais garder les jambes parallèles. Donc, rentre le ventre, rétroversion, je veux venir isoler mes abdominaux. Je pourrais même rentrer ma tête dans le tapis. Donc, viens étirer tes jambes. Tire tes jambes au maximum et étire le haut du corps. Et là, ajuste-toi vers l'avant ou vers l'arrière pour vraiment aller chercher ta taille. Donc, normalement, c'est quand tu es super droite. Donc, pas vers l'avant ni vers l'arrière. Et là, on peut faire des mini redressements ici en poussant vers le plafond. Ventre soutenu. Et 1, 2, 3 pour 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relaxe un peu. On n'oublie pas de prendre des grandes respirations, de respirer. Sinon, on va être étourdi. On refait la même chose en position. Viens isoler tes abdominaux en position et hop, grandis bien tes jambes, le haut de ton corps. Ajuste-toi pour aller chercher en partant ta taille. Et là, on va la pomper encore plus. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on relaxe. On peut tourner les chevilles, ça fait du bien. Et là, on va se préparer pour faire le trio moule. Alors, les jambes à 90. On étire bien le haut du corps. Les pieds vont rester ensemble, les hanches une sur l'autre. Donc, je vais mettre ma main derrière ma fesse pour bloquer ma hanche. Je veux pas, surtout pas reculer. Ventre soutenu, descendez les épaules, on respire. Donc, on lève la jambe jusqu'à temps que la fesse se contracte par elle-même. Dès qu'on la sent, on pousse davantage le genou vers l'arrière pour aller chercher encore plus fort. Et là, on va faire 5 pulsations. Donc, c'est beaucoup quand même. Donc, 5, on pousse, pousse. Je ne reviens pas vraiment. 4, on pousse, pousse, pousse. 3, on pousse, pousse. 2, on pousse, pousse. 1, on pousse, pousse. Et on descend en gardant la contraction. On monte, on pousse, pousse, pousse encore plus fort. Je vais faire trembler ma fesse. Et 5, 4, 3, 2,
1 et on descend en gardant la contraction. On remonte au pouce-pouce, le ventre toujours soutenu. Et 5, 4, 3, 2, 1 et on descend. On remonte au pouce-pouce et 1, 2, 3, 4, 5 et on descend. Dernière fois, on monte au pouce-pouce-pouce, le ventre soutenu, les hanches une sur l'autre. Et 5, 4, 3, 2, 1 et on descend. On lève les jambes. Les pieds restent bien hauts, toujours au même endroit. Le ventre est bien soutenu, donc on vient isoler nos abdominaux. Main derrière la fesse, on bloque bien la hanche. Tu pourrais ramener tes jambes vers toi. Serais-tu plus confortable si tes genoux étaient plus loin vers toi? Ouais, mais c'est comme tu veux. Les deux travaillent bien. Donc, on lève jusqu'à temps que la fesse se contracte par elle-même. On bloque bien la hanche. Pousse encore plus ta jambe vers l'arrière pour venir vraiment contracter tes fesses. Et là, pousse pour 5, 4, 3, 2. On garde la contraction et on descend en gardant la contraction. Les pieds restent toujours au même endroit. On monte, on pousse. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. Mettant la main derrière la fesse, tu vas vraiment venir chercher quelque chose que tu n'as pas quand tu, j'allais dire, passes à travers là, cette section-là. Là. Bloque bien ta hanche. On monte. Si je n'avais pas bloqué, ben là, je ne sentirais pas ce que je sens bloquant ma hanche. C'est ce que je voulais dire. Ventre soutenu. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend en gardant la contraction. Le ventre bien soutenu. On monte, on pousse. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend en gardant la contraction. On remonte, on pousse. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on descend en gardant la contraction. Dernière fois, on monte, on pousse. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend là, simplement avec un développé. Donc, on va lever au pouce au maximum. Et là, de cette position-ci, je viens juste étirer la jambe pour venir développer ma jambe. Je ramène mes pieds ensemble, je pousse et je descends en gardant la contraction. On monte, on pousse, développé, on revient, on pousse, les pieds sont bien hauts et on descend en gardant la contraction. La fesse en dessous fait mal aussi, c'est normal. On monte, on pousse, développe, tire, on revient, on pousse et on descend encore deux fois. On monte, on pousse, développe, tire, on revient, on pousse. Et on descend, dernière fois, on monte, on pousse, développe, tire, on revient au pousse, et on descend, on ramène le genou, on relaxe les fesses, ça fait du bien, on tourne les chevilles, ça fait encore du bien aussi. Et là, avant d'aller de l'autre côté, on va faire push-up, une main, l'autre main. On va faire 5 mini triceps dans la position. On va faire le chien tête en bas, mais au lieu de garder la position 5 secondes, on va le faire 5 fois. Puis après ça, on va faire, on descend tranquillement et on va faire le cobra. Alors, on commence avec push-up. Main droite, main gauche. Et, non, on pourrait faire un push-up. On va faire un push-up, on va venir descendre, monter, puis après ça, droite, gauche. Puis ça, on va faire les mini triceps. Alors, on se prépare pour faire un push-up. Descends et 1, 2, remonte. 1, 2, la main droite sur l'épaule, main gauche. Et là, on va faire 5, non, mini-triceps. 5 mini-triceps pour 5, 4, 3, 2, 1. 5 chiens, donc on y va. Et 1, on revient. Et 2, revient. Et 3. Reviens et 4. Reviens et 5. On revient, on fait un push-up. Ah non, excusez, on descend tranquillement. Excusez-moi, je vous mélange. Je vais descendre tranquillement. Main devant, cobra up, descend bien les épaules. Tire la nuque en avant. De cette position-ci, penche un côté, hop. On revient, penche l'autre côté, hop. On revient en descend, coquillage avec les mains, on pousse le bas du dos. On vient tirer les fesses d'un côté et de l'autre. Et on va venir dérouler vertèbre par vertèbre. Puis là, il faudrait le faire à la fin aussi. On va aller tout de suite de l'autre côté. Et on va se préparer pour faire la maximale. Donc, on va étirer nos jambes. On va leur donner l'information, on va les aider à faire l'exercice. Donc, je peux
peux mettre mes jambes en V. Main devant ou pas de main. Je pourrais mettre ma main derrière la tête. Et là, 1, 2, plié, développe, descend. Mon ventre est bien soutenu. Je prends des grandes respirations. Deux jambes extrêmement bien tendues, bien allongées à tout moment. Et 1, 2, donc plié en gardant la contraction. Développe, on tire, tire, tire. Et on descend. J'ai une crampe, excusez. Et 1, 2, plié, développe, descend. Et 1, 2, plié, développe, descend. Et 1, deux jambes bien tendues, les pieds pointés ou fléchis. Descend. Et 1, 2, plié, développe, 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 descend. Et 1, 2, plié, tire, tire, descend. Dernière fois. 2, plié, développe, descend. Relaxe un peu les pieds, toujours les jambes en V, bicyclette. Le ventre est bien soutenu, toujours la jambe à la hauteur de la hanche. Donc, toujours le côté de la cuisse vers le plafond. On amène la jambe devant, deux jambes étendues, pieds pointés. On vient plier, pieds, genoux à la hauteur de la hanche. Garde ma jambe à la hauteur de la hanche, je vais porter mon plié loin derrière. Jusqu'à temps que ma fesse se contracte par elle-même, il y a un petit creux qui va se former. Et là, pousse le derrière de la cuisse et on tire, 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 deux jambes étendues. Même, je viens étirer mes mollets. Ventre soutenu. On amène la jambe devant, deux jambes étendues. Plié. On amène le plié loin derrière, pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, tire. Mes deux jambes sont bien tendues. On amène la jambe devant, pied pointé, plié. On amène le plié loin derrière, va chercher le derrière de la cuisse aussi, développé, on tire, 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 tire. On amène la jambe devant, plié. On amène le plié loin derrière, pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, tire. On amène la jambe devant, le ventre est bien soutenu, plié. On amène le plié loin derrière, va chercher ta fesse derrière de la cuisse et on tire, tire, tire encore 5 fois. On amène la jambe devant, plié. On amène le plié loin derrière, pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, tire. On amène la jambe devant, plié, loin derrière, pousse, tire, tire. On amène la jambe devant, plié, plié loin derrière, pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, tire encore 2 fois. On amène la jambe devant. Plié. On amène le plié loin derrière. Pousse. Et on tire, tire, tire. Dernière fois. On amène la jambe devant. Plié. On amène le plié loin derrière. Pousse et on tire. Et on reste derrière deux jambes bien tendues. La jambe à la hauteur de la hanche. Les hanches une sur l'autre. Comme ça ici. Et le plié derrière. On va venir pousser encore plus pour vraiment aller chercher le derrière de la cuisse. On amène le plié devant, le ventre bien soutenu et développé. On tire, 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 deux jambes bien tendues. On amène la jambe loin derrière. On va chercher la fesse, même le haut de la fesse, le derrière de la cuisse. On vient plier, on pousse encore plus pour aller chercher la fesse, mais la cuisse aussi. On amène le plié devant et on tire, 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 deux jambes bien tendues. On amène la jambe loin derrière. J'ai quasiment mon genou vers l'intérieur. Plié, pousse, pousse, pousse. On amène le plié devant et on tire, 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 deux jambes étendues. On amène la jambe loin derrière. Plié, pousse, pousse. On amène le plié devant et on tire, 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 tire. Loin derrière. Plié, pousse, pousse. On amène le plié devant et on tire, tire, tire. Encore 5 fois. Tu pourrais prendre des haltères, même faire des bras. Plié, pousse, pousse. On amène le plié devant. Et on tire, 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 tire. On amène la jambe loin derrière. Plié, pousse, pousse. On amène le plié devant. Et on tire, 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 tire. On amène la jambe loin derrière. Plié, pousse, pousse. On amène le plié devant. Et on tire, 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 tire. Encore 2 fois. On amène la jambe loin derrière. Plié, pousse, pousse. On amène le plié devant. Et on tire, 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 tire. Dernière fois, on amène la jambe loin derrière. Plié, pousse, pousse. On amène le plié devant. Et on tire, 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 tire. Et on relâche. On relaxe un peu. Qu'est-ce que tu veux dire par ça fait un trou? Là, dans le bas de la fesse. À cause du muscle qui contracte. Oui. Lève ta jambe, mets ta jambe devant, puis tu vas faire ton plié, puis tu vas amener ta jambe derrière après. Et plié. Puis là, tu amènes ton plié derrière jusqu'à temps que. Ah, ici. Tu sens-tu? Attends. Reviens, puis là, hop. Ouais, tu sens ici? Ça fait comme un. En bas de la fesse, là? Sur le côté? Voyons.
Il n'y en a pas, lui, tu ici. Ok, c'est correct. J'en ai pas, c'est tout. Non, arrête. Non, ça se peut, c'est correct. C'est le pilote, là. C'est ça. Ça. Oui, ok. Ok, c'est ça ici, là, qui baisse. Tu vois, c'est normal. Et c'est le jarret qui descend, comme. Ouais, là. Fait que tu le sens ici, ouais. Mais tu le sens aussi en dessous de la fesse. Mais tu le sens là. Puis si tu vas pas assez loin, là, ouais. Tu le sentiras se jamais. Puis là, tu fais tchoc, puis tu le sens. Ouais. Merci pour le secours de la tête. T'en as pas! Il y en a un. J'ai pas de genre creux. Lui, c'est tout creux, c'est tout une fesse dure de partout, pas là. C'est pas un gars creux. Non. T'es un gars creux? Non, c'est pas un gars creux. C'est ça, t'es pas creux, t'es complexe. Taille! Ben oui. Hey non, mais la taille, on veut la travailler tellement pas beaucoup d'exercices. Je ne sais pas quelle couleur pour travailler la taille tantôt. Ben non, mais le même bas qu'on vient de faire la bicyclette, là. Okay. Corps droit. Oh oui, ça, il faut aller la regarder ensemble. Hein. Entre le ventre rétroversion, isoler tes abdominaux. Puis là, quand tu vas lever, tu vas le sentir sur ta taille, sur le dessus. Main devant, lève les jambes. Fait que tu viens vraiment faire comme là, j'exagère, mais contracter ta taille. Tire tes jambes, puis là, tu vas venir squeezer ta taille ici. Puis là, tu tires tes jambes en longueur, puis en hauteur. Tu sais, juste en faisant ça, tu es supposé le sentir. Tu le sens-tu? Oui, OK. Puis là, tu tires le haut du corps, puis là, tu peux faire un mini redressement ici pour que la taille que tu sens, juste en gardant la position ici, comme ça, là, mais tu vas, en faisant le redressement ici, tu vas la sentir encore plus. Puis là, le ventre, parfait. Et là, 20 répétitions. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh oui, je le sens, moi. Très tu le sens, tu? Oh oui, je le sens. Et on relâche. On relâche. On va voir si tu vas le sentir la deuxième fois. Je le sens déjà. Mais parce que quand je suis là, tu travailles deux fois plus. C'est normal. Ça se peut. OK, corps bien allongé, bien étiré. Et là, c'est ça, entre le ventre rétroversion. Comme si tu allais faire un redressement assis, je le vois déjà, là tu le sens. Là. La voix fait une. C'est ça, j'ai pas besoin d'aller toucher. Et là, lève bien tes deux jambes, tire bien tes jambes, puis là, rentre bien ta taille. Là, puis petit redressement assis pour aller la brûler, la faire couler, là, tout le gras qu'il y a dedans. Là. C'est le gras de patates frites que tu as mangé là, quelques jours. Ah non, moi, je mange pas ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oui, tu te mets un petit peu plus vers l'avant ou vers l'arrière. Oui. Oui, c'est ça, quand on est très mince, ça fait ça. C'est vrai. Et on relâche. Moi, elle me parle de mon gras de patate frites pendant ce temps-là. Non, non! Moi aussi, je dis gros de patate frites. Mais ça peut être ton gras d'autre chose. Ça peut être ton gras de canard. Merci, Josiane. C'était pas ça l'enjeu. C'était pas l'enjeu. C'était pas le c'est du gros jugement. Mais moi, des frites, c'est rare, j'en mange. Moi, j'en mange souvent. C'est pour ça que je viens ici. Non, mais je mange d'autres choses. Rentre le ventre rétroversion. Garde les jambes pliées à 90. Puis reste ensemble, on va faire la moule. Donc, on met la main derrière la fesse pour venir bien bloquer la hanche. Les hanches sont une sur l'autre. On lève jusqu'à temps que, tu sais, le pli de tantôt, là, ben là, c'est sûr qu'on le sent différemment, là, mais c'est, on va aller chercher vraiment la contraction maximum. Ventre soutenu, il faut que ça parte des abdominaux. Là, pousse le genou vers l'arrière. Et là, de long pompe pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. On remonte, on pousse, 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 bloque bien ta hanche. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. Et mais parce que tout le monde a du gras. Si t'as pas de gras, aucun gras sur le corps, mais t'as pas de réserve, dès qu'il y aura un petit virus, tu vas être malade. Ça nous prend une protection, là. Mais c'est sûr qu'il y en a qui en ont presque pas. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. On remonte, on pousse, pousse, pousse. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. Garde la même position, mais je pourrais ramener un petit peu plus mes genoux parce que je me déplace. Et là, retirer l'eau de mon corps. Entre le ventre rétroversion pour venir isoler, ou plutôt mettre-moi en position en œil pour venir contracter, isoler tes abdominaux, main derrière la fesse, les pieds bien hauts. On lève la jambe jusqu'à temps que la fesse se contracte par elle-même. Tu le sens au niveau de la hanche, là, puis des fesses, que ça fait le travail. Et là, on pousse pour 5 pulsations, pour 5, encore plus fort. 4, 3, 2,
1, tu vas le sentir même jusqu'en dessous de la fesse et on descend en gardant la contraction. On remonte, on pousse, 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 les abdominaux sont soutenus. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend en gardant la contraction. On remonte, on pousse, pousse, pousse. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. Dernière fois, on monte, on pousse, 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 pousse. On vient vraiment barrer. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend, on va ajouter le développé. Toujours le ventre soutenu. On monte, on pousse, 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 jusqu'à temps qu'on barre. Et là, de cette position-ci, on vient développer, jambes bien tendues. On va ramener les pieds ensemble, on pousse, pousse. On est rebarré la fesse et on descend en gardant la contraction. On remonte, on pousse, pousse, pousse. Développe, tire, tire. On revient, on pousse, pousse. Et on descend en gardant la contraction. On remonte, on pousse, pousse, pousse. Développe, tire, tire, jambes bien tendues. On revient, on pousse, 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 on tient. Et on descend. Encore deux fois, le ventre soutenu. On monte, on pousse, pousse, pousse. C'est normal d'avoir mal à la jambe dans le tout. On revient, on pousse, pousse. Et on descend. Dernière fois, on monte, on pousse, pousse, pousse. Développe, tire, tire. On revient, on pousse, pousse, pousse. Et on descend en gardant la contraction. Et on relaxe, on relâche. Super! On va se mettre debout tranquillement, hein, parce que si on se lève trop rapidement, on va être étourdi. Donc, on va dérouler. Et on va se mettre sur demi-pointe. On va se mettre en première position. On va se mettre sur demi-pointe. Et on va venir se mettre en position accroupie. Du ballet? Ouais, un peu. C'est le fun. Et le ventre bien soutenu. Puis là, je monte uniquement avec mes cuisses et mes fesses. Donc, je vais venir contracter mes fesses. Pensez à contracter les fesses pour aller solliciter davantage ces muscles-là. Alors, dos droit. Hop, demi-pointe, oui. Hein? Et là, les genoux vers l'extérieur. Pas de fesses sorties. Le ventre soutenu. Et là, je remonte uniquement avec les cuisses et les fesses dos droit. Dos droit, on monte, on pousse, 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 demi-pointe, hop. Et on descend, on remonte et hop. Puis les genoux vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Et là, on se sert de nos cuisses et nos fesses et nos abdominaux pour monter. On pousse, 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 pousse. Et on descend, encore une fois, hop. Puis tranquillement. Ventre soutenu, on sert uniquement des cuisses et des fesses, puis si tu n'es plus capable, tu sais, ouais, tu n'as pas le choix. Et on descend, encore, hop, plié tranquillement. OK, et on remonte, dos droit, demi point, hop, et on descend, dernière fois, hop, plié. Et on remonte, pousse, 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 et on descend. On relaxe un peu. Es-tu le seul que c'est catastrophiquement difficile? Ben, t'es plus lourd. Okay. Tes muscles sont gros, sont massifs. C'est plus dur, c'est normal. Là. Toi, ta machine, c'est ça. Ça te soulève. Ben, ça serait peut-être plus dur de sauter haut, là. D'accord. Mais moi aussi, je l'arrache vraiment. C'est juste que ça paraît pas. Je vais travailler là-dessus. T'sais. Mais non, il faut que tu respires. Fait que c'est important qu'on t'entende. Même si on t'entend respirer, c'est normal. Exprime-toi, nous autres, ça ne dérange pas. C'est ça. C'est ça qu'on veut dire. Ça ne dérange pas, ça nous encourage. Right. Oui, c'est encourageant. Ça nous fait penser qu'il faut. Yoga, où est-ce que tout le monde se fait par la gorge? Fait que c'est ça. On fait des liens. Descendez les épaules. Plier. Développer. On revient. Je ne vous ai même pas dit ce qu'on faisait. Développer. OK. Encore deux fois. Réveillez ça, genre. C'est ça, quoi? Ça aussi. Ouais, aussi. Et là, on va venir ouvrir la cuisse. On va faire la même chose, mais avec la jambe sur le côté. La développer. Faut que je fixe un point, moi aussi. Tire la tête vers le plafond. Grandis ton corps. Développe. Et on revient. Wow! Et développe. On travaille les muscles du pied aussi en même temps. Et développe. Et on revient. Dernière fois. Moi, je ne suis pas si pire de ce côté-ci, mais l'autre, ça, des fois, c'est dramatique. Et on revient. Donc, en levant la jambe, c'est sûr que je travaille mes quadriceps, puis en ouvrant, je vais aller chercher plutôt les adducteurs. On va changer de jambe, puis tire ta tête.